Salut à tous, c'est Eric Le Gauche chez Galago Music. Voici enfin le tuto de Stairway to Heaven. Il m'a fallu un petit peu de temps pour l'apprendre, pour être suffisamment à l'aise, pour essayer de pouvoir vous montrer comment le jouer. Voilà, donc les attentes ne sont jamais inutiles, hein, elles font durer le plaisir. Je vous invite chaleureusement à aller télécharger la partition, hein, ça va bien vous aider. Donc ce solo se découpe en 12 plans, je vais vous les montrer successivement. Il faudra absolument que vous les connaissiez tous par cœur, parce que vous, après vous pourrez les replacer dans d'autres morceaux qui seraient en là. Voilà, ce sera très pratique. Voilà, donc je vais pas durer le suspense plus longtemps, hein, je pense qu'un an et demi ça va, c'est déjà bien dosé. Munissez-vous de votre médiator et allons-y. Alors sur la guitare, je me suis mis sur le micro chevalet, c'est-à-dire que vous poussez le truc le plus à droite. Chevalet. Si vous êtes ici, c'est le micro manche. Donc, chevalet. Ok. Petite chose aussi, le solo, je l'ai joué sur un playback que j'ai trouvé sur le site backingtrack.com, dont vous trouverez l'adresse dans la boîte de description YouTube. Voilà, comme ça, vous pourrez essayer. Le premier plan sans attendre, parce qu'il y en a 12 qui nous attendent. Et le solo va être construit sur la gamme pentatonique mineure de La. Donc je me place en cinquième case, et vous déboulez votre gamme que vous connaissez certainement. 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Puis après, dans la deuxième phrase, la petite extension qui fera 10, 8, 10, 8, que nous verrons après. Premier plan qu'il faut que vous connaissiez par cœur, celui-là va vous servir dans toutes les improvisations. Et alors, comment j'ai fait? Je me suis placé en septième case de la corde de sol avec l'annulaire et je vais doubler avec le majeur. Donc là, on a deux possibilités. Donc le premier truc, c'est de bender jusqu'à arriver à cette hauteur-là, donc la hauteur de son qu'on entend à la 9e case, là, la note Mi. D'accord. Une fois que vous êtes arrivé à cette hauteur, bon bah déjà c'est bien, ce que vous pouvez faire c'est rajouter un petit vibrato. C'est-à-dire vous conservez la pression, et vous laissez la corde se relâcher, vous la remontez, vous luttez contre la corde. Voilà, ça fait un effet plutôt sympathique. Dès que vous êtes arrivé à la bonne hauteur, on va placer l'index en 5e case et 5e case des cordes de Si et Mi. Des cordes, comme ça vous êtes placé pour faire la petite phrase, enfin la phrase qui va faire ça. D'accord, donc j'ai tapé le petit Mi en 5, après le petit doigt 8e case de la corde de Si, et pull-off qui fait entendre le 5 de la corde de Si donc. Ensuite je ressoulève l'index, et j'appuie l'annulaire à la 7e case de la corde de sol. Et après, en pull-off, je fais entendre la 5e case de cette même corde de sol. Du coup... Alors, on pourrait laisser l'index enfoncé sur les 3 cases. L'embêtant, c'est que ça risque de mélanger un petit peu tous les sons. C'est pour ça que je préfère appuyer uniquement sur les deux premières cordes au début. D'accord. Ensuite, annulaire 7e case de la corde de ré. J'écrase l'annulaire pour rejouer la 7e case de la corde de sol, suivie de du repull-off. Même chose. Du coup... Une fois que vous avez fait ça, 7e case de la corde de ré, suivie d'un pull-off en 5e case. Et on atterrit en 8e case, note étonnante, étant donné qu'elle sort de la pentatonique mineure, mais qu'elle correspond à ce que joue l'accompagnement derrière. Donc je vous fais tout le plan, pas vite. Et donc vous bossez beaucoup ce plan-là, parce qu'on va le retrouver après, il va le décliner sous plusieurs façons. Petit détail, parce que moi j'ai eu du mal avec ça. Quand vous bendez ici, bon, très bien. Cool. Pour pas qu'on entende la note redescendre, quand vous placez l'index, il faut impérativement que ce l'index touche la corde de sol, sans l'appuyer, de manière à avoir... Vous voyez, la corde redescend, mais on l'entend pas. Retomber à vide ou quoi. Donc collage de l'index à la corde de sol. Faire une petite voix. Ok. Alors plan numéro 2, il va donner ça. Ah bah j'ai fait. Je me place en 8e case de la corde de Si, je bend avec majeur et annulaire. Le but du jeu, c'est d'arriver jusqu'à la note là, cette hauteur-là, la 10e case. Une fois que vous êtes arrivé à la bonne hauteur, la main droite, la paume, va se plaquer contre la corde de manière pareil à ce qu'on n'entende pas une espèce de dégueulando comme ça, la note qui redescend. Là.
Dès que vous êtes à bonne hauteur, clac, vous bloquez la paume de main droite. Pour ensuite attaquer avec le petit doigt, deux fois de suite, la huitième case de la corde de mi. Et on pique la note deux fois de suite. Donc. Dès que vous avez fait ça, on va substituer le petit doigt à l'annulaire. Et on va bender sur le petit mi à la huitième case. Donc là, pareil, je replace le majeur et l'annulaire l'un derrière l'autre. Et pareil, je vais bender d'un ton complet pour faire entendre cette note-là, le ré. Et là, de même façon, dès que vous êtes à la bonne hauteur, clac, vous rebloquez avec la paume de la main droite. D'accord, du coup. D'accord. Une fois que vous avez fait ça. Après, je vais jouer la cinquième case du petit mi. Deuxième fois. Donc. Donc là, une fois que j'ai fait mon premier bend, les deux notes piquées, le bend à nouveau sur le petit mi, je rebloque, je le retape une fois quand on l'a débendé, et je vais jouer deux fois la note là à la cinquième case du petit mi, suivi d'un slide qui rejoint la même note, la note là, de 8 à 10, sur la corde de si, genre. Ensuite, huitième case du petit mi, là on va faire. Ça va, ce point-là, il n'est pas trop embêtant. Donc, vous commencez sur le petit mi dixième case. Vous faites un pull-off de 10 à 8. Après, un pull-off de 10 à 8 sur la corde de si. Après, 10 du sol. Re 8 de la corde de si. Et re hammer on en 10. Et on peut faire voilà, du vibrato sur les notes longues comme ça. Donc, tout le plan numéro 2. Je vous refais le plan numéro 1 et 2 d'affilée. 2, 3, 4. Ensuite. Ok. Plan numéro 3. Il va démarrer pareil que le premier, sauf que cette fois-ci, le bend dans 7ème case ne va pas durer aussi longtemps que tout à l'heure, ça va faire. Donc, je bend dans 7, ça va durer juste une croche. Je fais le coup de l'index en 5-5 du si et du mi. Vous bloquez bien la corde de sol avec le bout de l'index et vous faites. Pull off. Pull off. Septième case du ré. J'écrase le doigt pour retaper la septième case du sol. Pull off pour aller voir la cinquième case. 7 du ré. Pull off. Septième case du La. Et cette note-ci sera plus longue. Petite fois. Alors, le plan numéro 4. Du coup, on va reformuler cette descente sans passer par le bend dans 7. Là, on va directement faire. Et on retrouve la 8ème case, là. La note Fa sur la corde de La. Donc, 5 du petit mi. 8 de la corde de Si. Pull off, 5ème case du Si. 7 de la corde de Sol. Pull off en 5. 7 de la corde de Ré. Écrase doigt. Je retape donc le 7 du sol, pull off à nouveau, 7 du ré, pull off, 5, et encore 7, et encore pull off, pareil, 8. Du coup, voilà, vous les bossez bien, hein, tous ces plans-là. Faut que vous soyez très très souple et utilisez vraiment vraiment les effets de jeu. À la limite, préférez faire un slide ou un pull-off plutôt qu'un coup de médiator, ça vous permettra d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide. Le plan numéro 5.
Donc là, on avait terminé sur le petit doigt en 8, très bien. Vous arrêtez les sons avec la paume. Et là, on va remplacer le petit doigt par l'annulaire. On reste en 8. Et on va slider de 8 à 12e case de la corde de La. Donc, je vous fais le plan numéro 5. Donc, je suis reparti du 8 de la corde de La. Ça donnerait ça. Jusqu'à 12. Ensuite, j'écrase l'index 10, 10 des cordes de Ré et Sol. Vous gardez l'index enfoncé. 12 de la corde de Ré. Pull off pour en réentendre le 10. 12 de la corde de La. L'index est toujours enfoncé. Re 10 de la corde de Ré. Après 12 de la corde de Ré. Là, l'index peut se soulever parce qu'on va partir de 12 en slidant à la 14e case de la corde de Ré. Suivi ensuite de 12, 14 de la corde de Sol et 13 de la corde de Si. Le fait, c'est encore. Ok, et donc là, on va commencer à attaquer les endroits où il y a des gros bends également dans les aigus. Alors, le plan numéro 6, vous vous placez en 15e case de la corde de Si. Et là, donc, les deux doigts l'un derrière l'autre, on bend d'un ton. On bloque avec la paume quand vous êtes à la hauteur du 1 ton. Vous redescendez le doigt, vous rejouez la 15, donc sans le bend. Et on va faire 15, 13, 15, 13, 13. Encore. Suivi ensuite de la 15e case bendée sur le petit mi. Pareil, un bend d'un ton complet. Ensuite, je rebloque. Je redescends, je rejoue le 15. Débendé. Ensuite, 15e case à nouveau du si. Je bend d'un ton, je rejoue le 15 sans le bend, 13 et 14 du coup. Ok, donc ce morceau sert à ça, c'est à repérer les endroits qui fonctionnent pour faire des solos. Donc là, une petite blues box qui sert bien, si vous connaissez bien déjà celle-là, la 5, 8, 5, machin, rig. Vous vous placez ici en 14e. Et donc les notes du plan numéro 6 sont celles-ci, 14, 13, 15, il y a la 12 qu'on peut jouer, que Jimmy Page ne joue pas là-dedans, mais elle fonctionne, et 15. Et retenez que le 15 ici peut être bendé, que le 15 en dessous peut être bendé, et qu'ici on a la note maison, la note là, qui donnera une stabilité à votre phrase. Du coup, après vous pouvez improviser. Alors le plan numéro 7, c'est le plan de la mort. Vous êtes en 13e case de la corde de Si, donc on commence à taper celle-là. Et ensuite on va avoir une roulette. D'accord, et ça va être ça en boucle, assez rapidement. Donc là on a 3 notes avec un seul coup de médiator. Repérez bien ce coup-là, c'est absolument génial. On bend, on garde la pression, on redescend la note en 15, il faut qu'on l'entende. 13 en pull-off. Et 14. Donc là, au médiator, je fais coup vers le bas. Retour. Comme ça, je suis armé pour réattaquer. Voilà. Utilisez le coup de médiator que vous voulez, hein, de toute façon. Et le coup du bend, là, on l'a 10 fois de suite avant d'arriver à sortir du plan, donc. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, la 10e fois. On bend dans 15 de la corde de petit mi. Et ça, c'est charmé. Terrible !